Cette année, 14 personnes prêtes à tout pour rencontrer l'amour participent à Marier au premier regard. C'est notamment le cas d'Axel, originaire de Picardie, qui s'est exilé à la montagne avec ses deux chiens. S'il est satisfait de son expérience, il n'a en revanche pas apprécié son portrait qu'il juge trop caricatural. Sur Instagram, C'est afin de faire le point que le jeune homme a partagé, dans le portrait dressé au premier épisode, vous me voyez majoritairement en nature. Je crois qu'il n'y a aucun plan en ville d'ailleurs. La voix off évoque mon départ volontaire pour les montagnes pour m'isoler. Bon, j'aime la tranquillité, mais je ne suis pas un ermite quoi. Et ce n'est pas non plus mon divorce qui est en cause. Souhaitant rétablir la vérité, Axel a expliqué, j'ai choisi de quitter mes origines pour la montagne et la nature beaucoup plus accessible ici. J'ai adoré la Savoie lors de mes précédents voyages. Ici, je peux randonner pendant des heures, m'évader, dormir en pleine montagne et profiter d'un silence complet, être entouré d'animaux sauvages, et de loups. C'est une vie que j'ai choisie, car elle me rend heureux tout simplement. Avec humour, le jeune homme a ajouté, dans le portrait, on veut me coller l'étiquette d'un ermite, pour coller à l'image de quelqu'un? Mais je vis dans un quartier résidentiel à la campagne, en vallée, à 15 minutes de Chambéry. J'habite une maison moderne, avec un sèche-cheveux. En story, il a par la suite précisé que ses parents n'avaient hésité que 5 minutes avant d'accepter d'assister à son mariage contrairement à ce que l'on pourrait penser. Axel, une image s'interprète de plusieurs façons pour conclure, le jeune homme qui a divorcé en 2017 après 5 ans de mariage a précisé que l'ensemble de son portrait est plutôt fidèle à ce qu'il est dans les grandes lignes. La veille, Axel avait confié sur Instagram être hypersensible. Il avait ajouté, je ne vous cache pas que toute cette effervescence des derniers jours est un séisme. J'aime perdre mes repères. Heureusement, je suis bien entouré, par une vingtaine de chiens diront certains, je finirai par vous dire qu'une image s'interprète de plusieurs façons. Loading widget.